suis bien arrivée. Merci pour les messages de bon voyage. Merci, je suis bien arrivée. Alors, je voulais revenir sur pourquoi la marque Diana, ma marque de make-up, n'est pas encore sortie. Il faut déjà savoir que les produits, je les ai déjà. Voilà, mais je les ai... C'est en France. Voilà, je vais vous expliquer ça comme ça. C'est en France. Et donc, je ne connaissais pas vraiment la réalité de la France. Je suis arrivée là-bas, il y avait des taxes, des trucs que j'ai dû payer. C'est pour ça que ça a retardé. Et par la suite, comme je veux faire un peu différent, il y a quelque chose, une petite surprise, en tout cas que vous allez voir. Et bah voilà, le fait que j'ai eu de nouvelles taxes et tout, et tout, et tout, vu que c'était en France, ça m'a saigné bien comme il faut. Voilà. Mais tout va bien se passer, on prend le temps. Mais ça va bien se passer. On espère qu'on va bien rentabiliser pour pouvoir élargir l'empire. Bisous. Sur les vêtements, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que mon véritable combat, c'est ma marque de vêtements. Même comme pour moi, c'est le truc le plus difficile à réaliser. Je demande encore ici, là, sur mon Snap. S'il y a des couturiers qui sont intéressés à travailler avec moi, faites-moi signe. Parce que ça, c'est mon plus gros. Parce que ça ne sert à rien que j'achète les machines et tout, et tout, et tout, et tout. Si c'est que je n'ai pas de couturier. Vous voyez ce que veut dire. Je suis allée jusqu'à la télé pour demander à des couturiers. Donc, s'il vous plaît, contactez-moi. Vous savez, mon vrai objectif, c'est d'avoir ma marque de vêtements. Il a fallu que j'investisse d'abord sur du maquillage pour pouvoir rentabiliser, au moins légaliser une entreprise qui porte mon nom. Et par la suite, la vraie chose même que je veux sortir et qui coûte encore beaucoup plus cher que le maquillage, c'est les vêtements. Surtout que j'ai vraiment envie de faire de la qualité. Voilà. En tout cas, tout ça, ce sera Diana. Tout sera sous l'empire Diana. Period.